Enfin te voilà. Je t'attendais, Twin Sunien. Dark Monk m'a beaucoup parlé de toi. C'est fini, Twin Sun. Tu as perdu. Et pour rendre ta défaite plus amère, je vais te révéler la vérité. Avec toutes ces croyances, je n'étais pas maître de ma planète. Les gens n'écoutaient que les prêtres de Dark Monk. Un jour, un étranger a atterri sur Zilish et m'a proposé de se faire passer pour Dark Monk. Ensemble, nous avons fait croire qu'il allait réaliser la grande prophétie. Et bien sûr, la réalité est tout autre. Je ne sais pas pourquoi, mais Dark Monk veut s'approprier l'énergie magique contenue dans ta planète. Et comme je veux devenir le maître de Zilish, nous avons fait affaire. C'est impossible! Je vous en empêcherai! Twin Sunien, Dark Monk est imbattable. Dans sa statue, il a construit une machine capable de stocker l'énergie magique qu'il compte voler à ta planète. Mes agents sont allés sur Twin Sun pour enlever vos mages, car nous avions besoin d'eux pour attirer l'énergie de ta planète jusqu'à Zilish. Mais nous avons dû enlever les enfants, car les mages refusaient de coopérer. Tu étais notre seul obstacle, mais désormais, nous avons gagné. La destruction de Twin Sun et l'utilisation de la machine interviendront lors de la prochaine cérémonie. Et tu ne m'empêcheras pas de déclencher les réacteurs lunaires. Twin Sen, Twin Sen, c'est moi, Sendel. Twin Sen, un cataclysme cosmique est en route. La Lune a commencé à bouger. Elle va bientôt se précipiter sur Twin Sun et détruire notre planète.
Tu dois stopper Dark Monk et l'empêcher d'utiliser la machine infernale qu'il a construite dans la statue. Grâce à elle, il pourrait attirer et voler l'énergie que nous utiliserions pour stopper la Lune. Tu dois te procurer les 4 fragments de clés que les races Esmer protègent et sortent à chaque cérémonie. Avec eux, la statue de Dark Monk sortira du cratère. Lorsque tu auras stoppé Dark Monk, il te faudra revenir sur Twin Sun et dans le puits des Sandal, je t'aiderai à stopper la Lune. Tu viens de t'emparer du sabre de l'Empereur. Il te permettra d'affronter les hussards qui gardent le palais de l'Empereur. Tu as trouvé un disque de route, tu peux maintenant utiliser une navette Esmer.
Maintenant le fragment de clé des sups. Tu possèdes maintenant la clé du temple de Dark Monk. En plus, tu viens d'obtenir ton dernier niveau de magie, balle de feu. Bonjour. Pour 5 zitos, je peux vous conduire quelque part. Où désirez-vous aller? Sur l'îlot de la célébration. Enfin, Twinsen, je te retrouve! Mais cette fois, il est trop tard! Avec l'aide de l'Empereur, j'ai réussi à duper les Esmer! Quelle ironie! Il me prenait pour Dark Monk réincarné et m'accordait des pouvoirs divins que je n'avais pas!
Grâce à eux, je vais enfin les obtenir dès que la lune fera exploser, Twinson. Et qu'as-tu fait des enfants et des mages ? J'avais besoin des mages pour faire fonctionner la machine que j'ai construite dans la statue. Elle attirera l'énergie magique des Sindel contenue au cœur de Twinson et qui se dégagera lors de l'explosion. Les enfants n'étaient qu'un moyen de pression pour que les mages m'obéissent. Tu es ignoble, Funfrock. J'empêcherai tout cela. Je t'en prie, Twinson. Toi aussi, tu m'as aidé. La statue sert d'antenne et j'avais besoin des 4 fragments pour la mettre en position cérémonielle. J'avais bien envoyé mes mercenaires, mais tu as tout de même réussi à leur échapper. Félicitations! Maintenant, tu vas assister à la destruction de ta planète et à ma consécration. Dès que j'aurai activé la machine et que le choc cosmique aura lieu, je m'emparerai de l'énergie des Sindel. Elle fera de moi l'égal d'un dieu. Adieu.